j'allais dire, alors pas sur le millésime 2019 seulement, mais on ne pourrait oser dire que la biodynamie tempère les extrêmes. Et lorsqu'on est sur une année, en 2019, on a des gelées de printemps, puis on a des coups chauds, puis on a des coups secs. Et on se rend compte que si l'on fait la comparaison du vignoble en biodynamie comparé à celui qui est en conventionnel, les coups de froid sont absorbés, la résistance aux coups de chaud est évidente, la résistance à la sécheresse aussi, mais ça c'est le travail du sol qui va permettre une pénétration des racines et donc une aptitude à aller chercher des réserves hydriques assez profondes. Mais on se rend bien compte que si terroir c'est sol, climat, humain, et dans le climat, il n'y a pas simplement le microclimat, mais il y a aussi le millésime. La biodynamie est le parfait environnement pour gommer les excès de la partie climatique du millésime. Et 2019 est une très belle illustration de cet avantage-là.